Vous avez reçu un mail d'invitation NX Witness Cloud. On va voir aujourd'hui, en trois étapes, comment vous allez pouvoir accéder à votre système. Étape 1, créer un compte. Étape 2, télécharger le logiciel client. Étape 3, se connecter sur le logiciel client avec l'adresse mail et le mot de passe utilisés à l'étape 1. Ça va aller très vite, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez dû recevoir un email. Hello, Guillaume, donc le propriétaire du système, vous invite à visionner le système intitulé Icare NX. C'est le nom d'installation. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur Create Account. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez simplement renseigner le nom, le prénom, l'adresse mail qui est déjà renseignée et le mot de passe. Allez, c'est parti. Voilà. Accepter les termes et conditions et créer un compte. Quand vous allez faire ça, ce qui va se passer, vous allez recevoir un nouvel email. Cet email va simplement vous permettre d'activer le compte. Donc vous cliquez sur le bouton, ça va vous permettre d'activer le compte. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver sur cette page. Login, vous renseignez à nouveau votre adresse email. Contact. OK. Et le mot de passe que vous avez utilisé. Connexion. Voilà, je me retrouve connecté à mon système. Voilà, le nom du système, mon utilisateur. Ici, si j'ai plusieurs systèmes, je vais pouvoir les voir. Et j'ai un bouton ici, télécharger NX Witness. Vous allez voir, c'est très rapide. Vous sélectionnez si vous voulez télécharger sur Windows, sur Linux ou sur Mac. Donc nous, on va être sur Windows dans le cas présent. Est-ce que vous téléchargez le client? Donc c'est ici. C'est ce bouton-là qui va nous intéresser. Vous allez voir que ça va très 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 vite à installer. Une fois que c'est terminé, vous avez simplement à cliquer ou à double-cliquer sur l'application et à l'installer comme n'importe quel autre logiciel. Vous allez ensuite lancer le logiciel et vous allez arriver sur une fenêtre qui ressemble à ça. OK. Sachez que pour la passer en français, vous avez simplement à cliquer ici Paramètres locaux, Affichage, en anglais ça s'appelle Look and Feel, et ici à sélectionner la langue française appliquée. Une fois que c'est fait, vous avez un tout petit nuage qui est en haut à droite. Eh bien, vous allez cliquer simplement sur ce nuage. Renseignez l'adresse email qu'on a utilisée pour se connecter. Restez connecté ou non. Connexion. Et là, vous avez votre installation qui, comme par miracle, ressort. Donc, je n'ai pas besoin d'un nom d'utilisateur, je n'ai pas besoin d'un mot de passe d'utilisateur. J'utilise simplement mon adresse email en haut. Sachez que si on vous a partagé une, deux, trois, quatre, 10 installations, bah vous allez simplement toutes les retrouver listées ici. Et pour la visionner, c'est très simple. Je clique dessus. Voilà, vous avez terminé l'accès à votre système. Vous sélectionnez ensuite les caméras que vous souhaitez afficher et vous allez pouvoir tout simplement passer à nos tutoriels suivants sur comment utiliser le système, comment faire une relecture, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt chez Iker. Au revoir.